Alors, une MAMS, c'est quoi? C'est une maison d'assistante maternelle où il y a entre 2 et 4 assistantes maternelles qui vont accueillir chacune entre 2 et 4 enfants. Nous, dans la structure, on est 3 et on a 12 enfants. Et les âges vont de 3 mois à 6 ans, on va dire. C'est bien, c'est un tremplin en fait entre la collectivité et l'assistante maternelle à domicile. Donc, c'est pas comme une crèche parce qu'on n'est pas nombreux. Et on retrouve un petit peu le cocooning qu'on avait à la maison avec nos petits bambins. Donc on a chacun lui apporte son petit moment. Voilà. Donc c'est ça une maison d'assistante maternelle. L'intérêt de la MAM pour les parents, c'est une petite collectivité et en même temps un petit cocon. C'est un petit peu le cocon de l'assistante maternelle, sauf qu'on est dans un local qui est adapté aux enfants, avec les normes de sécurité, avec une toute petite collectivité et en même temps un seul référent par parent. Donc quand le parent vient en MAM, il signe un contrat avec une assistante maternelle. L'avantage, c'est que les enfants sont en collectivité, en petite collectivité. Voilà. On a une souplesse d'horaire, on s'adapte aux parents. Il n'y a pas d'horaire de fermeture, il n'y a pas de fermeture l'été ni l'hiver, c'est en fonction des parents, on s'adapte aux parents. Il y a un planning, mais en fait, on fait par rapport au contrat qu'on a. Moi, les premiers contrats, c'est 8h30, donc à 8h20, je suis là pour ouvrir la structure, aérer, passer un petit coup d'aspirateur. Et le soir, je finis à 18h30. Donc, je m'adapte au premier enfant et au dernier enfant qui sort de la structure. Du lundi au vendredi, ça nous arrive le samedi. En fait, on s'adapte aux parents. On s'adapte aux parents. Pas le dimanche pour l'instant, pas encore. Et puis, les jours fériés de temps en temps, mais en fait, on s'adapte vraiment aux parents. C'est une souplesse d'horaire qui est vraiment appréciée. Être disponible, en fait, voilà. S'aligner par rapport aux parents, contrairement aux crèches qui ferment à 19h. Les parents sont contents d'avoir une structure qui propose des horaires un petit peu, on va dire, atypiques, élargis, quoi. L'accueil des enfants, qui un accueil individualisé qui va permettre le développement de l'enfant psychomoteur dans son individualité, c'est-à-dire que c'est pas comme en crèche où il y a 30 enfants pour 2 ou 3 personnels. En fait, nous, c'est vraiment du personnalisé. C'est une assistante maternelle pour maximum 4 enfants. Donc, on va s'occuper de l'enfant du début à la fin pour les activités, les soins, le change, l'accueil, etc. Donc, c'est vraiment le top. En fait, l'accueil en petite collectivité permet aussi aux enfants de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'extérieur, d'avoir d'autres enfants, d'autres pères, que d'être enfermés dans une maison avec une seule assistante maternelle. Tous les jours, l'enfant va avoir 12 autres enfants, donc il va vraiment avoir accès à la collectivité et pouvoir s'ouvrir aux autres. Après, tu vas partir quand on dort? Oui, après, je sors dehors avec vous. Non, quand on dort. Ah, quand vous dormez? Ah bah oui, je m'en irai, bien sûr. Je rentre à la maison aussi. Nous, en fait, on prend le temps pour chaque enfant, pour chaque mercredi, on trouve une activité. Et voilà, donc les parents, ils aiment bien, oui, ils ont trouvé que c'était c'est un plus. Même un plus, on va dire. Nous, en fait, la principale chose qu'on a remarqué depuis notre ouverture, c'est que le fait de proposer du multi-accueil aux parents, c'est vraiment très intéressant pour eux. On a des mamans qui ont 4-5 enfants et qui n'ont pas accès aux crèches municipales parce que soit elles n'ont pas de salaire et que ça ne rentre pas dans les grilles tarifaires, soit elles ne sont pas prioritaires parce que voilà, elles ne travaillent pas ou leur conjoint ne travaille pas. Donc il y a une question de priorité qui fait qu'elles n'ont pas d'accès aux crèches. Après, quand elles ont 5-6 enfants à la maison, elles sont un petit peu dépassées. Le fait de proposer un jour, deux jours, trois jours par semaine, ça les soulage. Ça les soulage. Donc le fait de proposer ce temps d'accueil, en même temps, les enfants, ça leur permet de voir d'autres enfants, de sociabiliser, etc., de faire des jeux, de se construire. Et les mamans, ça leur permet de se soulager un petit peu. En fait, on n'a pas que des mamans qui travaillent, contrairement aux crèches. Parce que même pour les enfants, ça a un plus, parce qu'à la maison, ils sont 2-3, que là, ils se sont retrouvés avec 12. Donc, c'était un peu timide. Voilà. Moi, j'avais des jumeaux qui étaient très, très
collés à moi et ils étaient, bon, bah, ils étaient un petit peu. Bah, le premier jour, je sais qu'ils restaient au bas de la porte, ils ne voulaient pas rentrer. Et après, bon, après, ça y est, après, quand on a vu l'évolution, au bout de quelques mois, franchement, c'est magnifique. Même les parents, ils sont trop contents, ouais, de l'évolution des enfants. Puis bon, ça les prépare à l'école aussi, hein. Voilà, ça les prépare à rentrer à l'école. Donc, il y a moins de stress pour les parents. Et puis, les enfants aussi sont moins angoissés, hein. Donc, ça s'est bien passé. D'ailleurs, on a des retours des enfants qui sont rentrés pour, en septembre 2020 à la maternelle. Bon, c'était, ça s'est super bien passé. Une MAM, c'est vrai que nous, on a le statut associatif déjà. Donc, on gère nous-mêmes nos employeurs. C'est nous qui faisons les contrats avec les employeurs. C'est nous qui rédigeons tout. Je veux dire, la mairie n'a pas droit de regard, le relais non plus, la PMI, à ce niveau-là. La nounou, ben, en fait, on est nous de toutes les manières. On est nounou, sauf qu'on est dans un local et qu'on est ensemble, on travaille ensemble. La nounou à la maison, elle va sortir de temps en temps, elle ne va pas voir beaucoup de monde, il y en a qui ne sortent pas. Elle va proposer des activités limitées, alors que nous, on a un grand espace où on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. À la limite, on pourrait même repeindre les murs. Ça, je veux dire, au niveau pédagogique, la MAM, c'est super. La crèche, la différence, c'est vraiment le nombre. Le nombre et l'effectif. Il y a beaucoup moins de personnes pour un plus grand nombre d'enfants. Donc la qualité est moindre. Nous, au niveau qualité, vraiment, on est sûr que, enfin, les parents sont sûrs que leur enfant sera bien soigné, bien traité. Je ne dis pas qu'il est maltraité en crèche, mais la quantité fait que, bon, bah, y a moins de disponibilité. Quand un bébé va pleurer ou il va réclamer un biberon, est-ce que la puéricultrice va pouvoir en même temps gérer deux autres enfants plus grands, etc. Donc, nous, en fait, le fait qu'on ait peu d'enfants, ça ajoute à la qualité. On est à notre propre compte, on dépend de personne en fait. On est une MAM, une structure individuelle, donc sauf qu'on s'adresse aux citoyens de la ville, donc on dépend aussi de la ville aussi, et puis on dépend de l'agrément de la PMI, donc on a quand même des restrictions, on a des normes à suivre, on a des normes de sécurité, on a des contrôles quotidiens, donc on n'est pas livré à nous-mêmes. On a une réglementation à suivre et on a un agrément qui tout le temps. D'ailleurs, la PMI est passée hier, donc tous les ans, ils passent et puis ils viennent inspecter la structure, ils viennent voir si tout est bien aux normes et si on respecte tout pour l'épanouissement de l'enfant. Donc chaque année, l'agrément est renouvelé. On a fait une formation initiale tout au début avant de commencer le travail dans son maternel, même à domicile, qui consistait en quelques heures. Après, on a le l'UP1, c'est-à-dire la première partie du CAP en fait, c'est ça, pour pouvoir exercer en assistante maternelle. En fait, dans le métier d'assistante maternelle, il n'y a pas de niveau obligatoire. Il faut juste avoir un minimum intellectuel, de bagage culturel et puis avoir fait des études, un minimum, et ensuite vous êtes formé. Vous êtes formé, il y a une formation de 10 semaines, je crois, mais c'est revalorisé, il y a une convention collective, il y a plein de choses qui font que le métier a vraiment évolué et qui est beaucoup plus reconnu que d'antan avec les mamans qui gardaient les enfants, qui étaient juste nounous, quoi. Maintenant, c'est vraiment un métier professionnalisé avec des formations en continu, avec des personnes qui sont vraiment impliquées, qui font des ateliers, qui font des activités, qui suivent l'évolution pédagogique, l'évolution, l'épanouissement des enfants. Donc en fait, on est tout le temps en train de faire des formations pour voir justement comment gérer le langage des tout-petits, des moyens. Donc ça, par contre, on le fait avec les partenariats Planète Enfance et c'est sur notre sur le week-end, le samedi. On ne peut pas embêter les parents, on ne fait pas la semaine, c'est le samedi. Et là, on met justement sur le site internet les formations qu'on effectue à chaque fois, ponctuellement, pour que les parents sachent sur quoi on est formé. Dernièrement, on a fait les premiers secours, les gestes d'urgence. Avant, on avait fait comment déceler le handicap chez le jeune enfant, l'autisme, l'hyperactivité, la trisomie, etc. Donc, c'est des sujets qui nous sont récurrents et qu'on a envie de connaître parce qu'on a fait une formation avant de commencer, mais on n'est pas complètement formé. Il y a tout le temps, de toute façon, on peut toujours se mettre à jour au niveau des formations. Donc voilà, on essaie d'être au top, quoi, d'être des nounous au top. Donc
Donc le fait d'être avec deux autres professionnels, ça vraiment ça aide déjà. Et puis ça au quotidien, c'est super parce que ça donne de l'énergie, on fait plein d'activités, on est stimulé, on a des contacts avec des adultes, alors que l'instant maternelle, c'est que des enfants toute la journée. Donc il y a vraiment un isolement. Là, en maison d'assistante maternelle, on accueille les enfants, les parents. C'est vraiment un métier où, un domaine, un lieu d'accueil qui est super. On va dire travailler dans une structure déjà où tout est posé, où on peut avoir plus de. On a quand même presque 100 mètres carrés. Donc on a pu faire. On a un petit coin cuisine, on a un petit coin livre, activité. Donc c'est une structure dédiée spécialement aux enfants. Et c'est bien parce que c'est vraiment un lieu adapté où, pour les enfants, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de fer à repasser, de téléviseur, de voilà, les parents ils sont ravis parce qu'ils savent que nous on est vraiment pour les enfants. Comment il fait le chat? Ouais, en fait, les parents peuvent nous suivre au quotidien. On a créé un groupe par téléphone, un groupe de messagerie où les parents, au quotidien, tous les jours, ils ont des photos des activités des enfants qu'on fait. Donc, ils suivent notre journée. En plus, on a un site internet. Donc, sur ce site, il va y avoir les actualités de la MAM, le planning des activités hebdomadaires. Donc, chaque jour, le parent va consulter la journée, ouais. Va consulter le planning et voir ce que l'enfant va faire ce jour-là. Donc aujourd'hui, en l'occurrence, on faisait puzzle. Donc voilà, donc le parent sait que l'enfant va faire puzzle ce jour-là. Appeler. Donc nous, on prend leurs coordonnées et on va les convoquer à une journée de réunion. Et suite à cette journée, nous, on va leur donner une fiche de renseignement. Ils vont nous donner leurs attentes et puis les jours qu'ils souhaitent, les horaires, etc. On va pas être négatif direct. Ah ben non, vous travaillez pas, non. Il n'y a pas de place. Non, on va faire de l'individualisé. On va prendre les parents, leur expliquer le fonctionnement de la structure. Et s'ils sont intéressés, à ce moment-là, on essaie de trouver une place. Après, si on peut pas, on peut pas. On va faire un jeu. On va faire un jeu. Qui va me trouver le loup? Ouais. Moi, le loup. Le loup. Alors, je suis Mokhtaria Kebli. Je suis maman d'une jeune fille, donc la jeune Aïcha, qui est accueillie ici à la MAM depuis ses 3 mois. Donc aujourd'hui, on a même du mal à couper le cordon ombilical, puisque malgré qu'elle soit scolarisée en maternelle, j'ai maintenu par rapport aussi à la qualité du service rendu et du projet pédagogique de la MAM porté par les trois, mais notamment par Naïma Ben Younes. Et une relation de confiance s'est créée, une relation d'amitié aussi s'est créée. Et je l'ai vu au fil de l'eau, chemin faisant, parcourir le monde de l'assistance maternelle en fait, mais autrement. Et c'est ce qui m'a beaucoup attirée, c'est-à-dire que je suis maman de 4 enfants. Les premiers ont maintenant 17 ans, donc j'ai connu d'autres modes de garde, qui est notamment donc l'assistante maternelle classique, quand je dis classique, à domicile comme l'était Naïma dans un premier temps, mais où en fait on était plutôt le dépôt de bébé à la consigne, quoi. Donc pas de projet ni rien, bon bah, le soir on rentrait, bon bah ça va, tout s'est bien passé, merci. Donc nous on était rassurés en tant que parents parce qu'on se disait bon quand même ils sont dans un milieu affectif, en tout cas c'était le seul et premier critère qui était le plus important pour moi, d'avoir un petit peu le style de la maman hein, qui remplace un peu la grand-mère à la maison. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'être maman c'est aussi transmettre des savoirs, transmettre une certaine forme aussi de connaissances et qui les aide à grandir. Donc avec Naïma, j'ai découvert une autre façon de garder les enfants, d'un point de vue plus, on va dire, le développement cognitif, le développement aussi l'expression des émotions et autres. Et très vite, on avait échangé ensemble et elle avait ce souci de pouvoir voir le métier d'assistante maternelle autrement et de pouvoir aussi avoir des temps de regroupement où les enfants puissent se socialiser, parce que c'est ce qui manquait le plus. Montrer que finalement le métier d'assistante maternelle n'était pas un travail mais un vrai métier. Et donc cette idée de créer des points de rassemblement, notamment autour d'activités,
de socialisation des enfants avec un vrai projet et des activités pédagogiques, puisque je vois par exemple que ma fille a un amour de la lecture parce qu'elle a su développer aussi chez elle déjà la manipulation de l'objet livre et puis des temps, que ce soit avec aussi des partenariats qu'elle avait pu nouer avec la mairie, notamment avec Mediabus, où elle emmenait les enfants régulièrement, et puis les temps de lecture aussi qu'elle fait, puisqu'elle aime énormément lire Naïma. Et donc elle transmet en fait toutes ces petites choses qui font d'elle quelque chose de différent que ce que j'ai pu trouver moi en assistante maternelle, pourtant crèche municipale, donc crèche familiale on va dire, portée par les fameuses commissions avec on attend, l'angoisse, etc. Et j'ai vécu aussi l'assistante maternelle lambda où j'ai répondu suite à un listing qu'on m'avait donné par la fameuse PMI du conseil général. Ben, je vous dirais que d'avoir connu un peu tous les modes de garde, je vous assure qu'on est vraiment dans un vrai service de garde d'enfants, mais où l'intérêt de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant est fortement réfléchi dans l'organisation notamment des semaines en termes d'ateliers, donc notamment sur la manipulation et autres. Et j'ai très bien vu aussi que quand ma fille est arrivée en première année de maternelle, donc chez les tout-petits, donc chez plutôt les petites sections, elle a eu une capacité d'adaptation où tout de suite elle pleurait pas, ni rien, elle était à l'aise. Et tout de suite une ATSEM m'a dit, elle a été gardée en crèche. Je lui ai dit non, en maison d'assistante maternelle. Elle me dit, ah d'accord, parce que même en crèche, ils pleurent un peu et ils ont du mal à s'adapter. Et je dis, bah oui, c'est normal, puisqu'en crèche, ils sont plus ou moins aussi anonymes, que là, ils sont vraiment, il y a un vrai lien qui se fait entre l'enfant et aussi les autres assistantes maternelles. C'est-à-dire que même si les enfants sont dans une relation contractuelle avec une assistante maternelle, mais il y a une telle ambiance et un tel esprit d'équipe entre elles que finalement, ce sont les mamans bis de tous les enfants. Et je pense que c'est la plus belle chose qui puisse arriver, en tout cas pour un enfant qui puisse être accueilli. Les créations d'âmes sont très difficiles et nous, la chance qu'on a eue, c'est vraiment le Bayard nous a suivis depuis le départ. Il était là à l'inauguration, franchement, ils sont vraiment présents, ils sont au top. On était, et puis le bailleur est super, il nous a offert 6 mois de gratuité le temps qu'on fasse les travaux. Donc ça a été nickel, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et voilà, et puis depuis qu'on est installé, on a un succès énorme. En plus, ils ont promu l'association sur leur site internet. Donc dès qu'ils ont mis sur leur Facebook, ils ont mis l'ouverture de la MAM, on a été submergés de demandes. Donc ça a été nos premiers clients, entre guillemets. Après, c'est eux qui nous ont financé les jeux extérieurs, donc la fresque qu'on a sur le mur, la fresque murale aussi. On a vraiment de la chance de l'avoir, parce qu'ils nous ont suivis depuis le départ et ils continuent à nous suivre. C'est vraiment un service excellent, des personnels super. On a notre gardien qui est super gentil aussi, qui est adorable. Dès qu'il y a un problème, on l'appelle, il est au taquet, donc on a vraiment eu de la chance. Monsieur Roussy, qui est le gardien, c'est lui qui s'occupe du local. Donc quand on a un souci, donc par mail, par téléphone, et ils répondent, donc ils viennent voir ce qui ne va pas. Ah oui, tous les matins je passe les voir, je leur fais des coucous pour voir s'ils n'ont pas de problème ou si tout va bien. Et en fait c'est un local qu'on avait vide depuis 2016 et pour lequel on avait une réflexion de travailler sur une maison d'assistante maternelle. Et c'était un travail qu'on a mené en partenariat avec le département et la caisse d'allocation familiale, notamment la DAI, où on a présenté en fait ce local à l'ensemble des assistantes maternelles qui sont sur le secteur d'Aulnay. Et suite à ça, on a demandé aux assistantes maternelles qui étaient intéressées par ce local-là de nous proposer un projet. Et c'est là qu'on a eu deux propositions de projet. Donc celui de l'association MAM PAAPA, qui était déjà constituée depuis 2013 en association, et celui de Baya, qui est locataire chez nous. Et suite à ça, on a mis en place cette connexion-là, entre ces deux projets-là, qui est devenu un projet, celui de la MAM PAAPA. Donc ça s'est construit, elles ont développé leur projet ensemble. Et en tant que bailleur, moi en tant que chargée de développement social, on a travaillé sur la coordination avec les différents acteurs, notamment la DAI, qui accompagne les assistantes maternelles à monter ce type de projet. Et mon travail au niveau de Mini Envie Habitat a été surtout de créer de la coordination entre différents acteurs, donc la caisse d'allocation familiale, la DAI, la PMI,
et nos services en interne de la gérance pour mener à bien le projet, aussi bien dans la constitution du projet que techniquement. Et donc en décembre 2018, en tout cas en juin 2018, on signe la convention pour la MAM. Et donc voilà, et puis ça a été vraiment un nouveau projet et je pense que Jean-Marc pourra aussi en parler sur tout le suivi et ces nouveaux équipements qui a été mis en place sur la structure. Et puis nous, on n'avait plus qu'à suivre l'évolution des travaux. Voilà, puis on a eu la réception des travaux, la commission de sécurité. Ça se gère quand même aussi bien qu'un appartement. Hein. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut être dans l'action et la réaction. Hein. Voilà, parce que là, on rigole pas, il faut que les entreprises interviennent le plus rapidement possible, hein, parce que nous avons des enfants sur place, hein, donc on ne peut pas attendre là. Donc il faut que ça se fasse tout de suite, il faut être très réactif. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire, je pense. Hein. On essaie de faire le mieux possible. À chaque fois qu'on vient à la MAM, on est très bien accueillis. Très bien accueillis, oui. Et c'est vrai que du coup, quand il parlait des dossiers techniques, ça a été tous les travaux d'adaptation, ouais. Puisque du coup, c'est un établissement qui reçoit du public. Mmh. Et donc, on a fait appel à un certain nombre de services en interne pour nous accompagner, voilà, sur le dossier-là. Et c'est Jean-Marc qui a fait tout ce suivi-là avec les assistantes maternelles pour... s'assurer du bon déroulement des travaux. Je travaille de toute façon en étroite collaboration avec Khadija parce que dès que j'ai un souci, n'importe quoi, je lui en parle pour qu'elle puisse m'épauler de temps en temps. Voilà. Mais on est là pour qu'on puisse avancer. Voilà. Et c'est vrai que je crois que c'était la première MAM sur Aulnay-sous-Bois. Ouais. Faut le dire, c'est une des premières maisons d'assistantes maternelles sur Aulnay-sous-Bois. Et sur le département du 93, en tout cas quand on a mis en place, il doit y avoir deux MAM avec Anodon. C'est vraiment, on était vraiment dans les premières MAM en fait sur le département du 93. Et c'est vrai que ça a donné beaucoup d'envie de développer d'autres maisons d'assistantes maternelles. Ça, on a des très bons résultats. Et jusqu'à maintenant, on monte d'autres projets avec la maison d'assistantes maternelles, puisque l'idée c'est aussi qu'il y ait une connexion avec les partenaires qui sont sur au sein de notre patrimoine et sur le quartier de la Rose-des-Vents et des étangs merisiers. Et c'est vrai que c'est un nouveau projet, mais du coup très positif et qui répondait surtout à un réel besoin sur le territoire, puisque ce projet-là, il est né aussi parce qu'il y avait un besoin de diversifier les modes de garde. Là, elles savent qu'on est présent, voilà, elles savent qu'elles peuvent me contacter. On a mis en place la MAM, ils savent qu'ils peuvent avoir toujours un relais au niveau du bailleur puisque je suis là aussi pour ça, pour suivre l'activité associative sur notre patrimoine. Bah moi écoutez, je tiens à les remercier parce que vraiment elles ont décoré leur espace avec beaucoup de goût. C'est magnifique, moi à chaque fois que je viens il y a des nouveautés, il y a des changements, j'en prends plein les yeux.